Une. Et puis deux. Les petites jumelles Quarter Horse sont en pleine forme un mois et 10 jours après leur naissance, déjà très attachées à Neva. La première année, elle a eu un petit peu plus de difficultés. Mais finalement, avec de l'aide et une surveillance accrue, on va dire, elle s'est bien ressaisie, complètement. Car les jumeaux sont rarissimes chez les chevaux. C'est beaucoup trop dangereux. 2% seulement des juments mènent ces gestations risquées à terme. Les petites sœurs ne pesaient que 30 kilos à la naissance. Elles ont maintenant atteint le gabarit d'un poulain nouveau-né. Mais même si elle semble en pleine forme, il faut rester attentif. Déjà, on regarde la jument. Il faut bien surveiller la jument pour qu'elle ne perde pas d'état, qu'elle soit bien en forme. Ça, c'est très important. Il faut vraiment compter les 2 premiers mois. C'est super important pour la lactation. Et puis, on va regarder les pouliches aussi. Hein. La croissance, si elles ne sont pas trop maigres, trop grosses, trop... Voilà, si elles font en effet les besoins primaires comme il faut, toutes ces choses-là. Surveillées comme le lait sur le feu, ces belles pouliches couleur champagne comme leur père grignotent déjà des granulés avec appétit. Car plus elles vont grandir et plus ça va être compliqué pour leur mère de les nourrir. Mais Aneva, disponible car en congé maternité, et toute sa famille veillent jalousement sur ce véritable miracle de la nature. Des jumelles craquantes et pleines de vie.